la vie soit plus diverse. Parce que voilà, parce que c'est ce que je sais faire. J'écris tous les matins. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire? Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Le point littéraire, Jean-Jacques Foucault. On connaît les écrivains à travers leurs œuvres, mais connaît-on leur univers? Le point littéraire. Le point littéraire, tous les mercredis de 20h à 21h sur Royal FM. C'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. Vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le point littéraire, tous les mercredis de 20h à 21h. Prenez le rendez-vous avec Jean-Jacques Foucault. Le point littéraire, la première de couverture. La première de couverture. Ouvrons le premier livre de la soirée, L'illusion du bonheur, un recueil de nouvelles d'Adèle Bibiane Baha. Elle est de nationalité camerounaise, juriste de formation. Elle exerce actuellement au ministère de la promotion de la femme et de la famille. Par ailleurs, elle est co-auteure de plusieurs anthologies, à l'instar de L'éveil des cœurs, écrit dans la cité. Son recueil de nouvelles, L'illusion du bonheur, est son premier ouvrage personnel. Elle compte bien à travers lui marquer son passage dans le milieu littéraire. Le point littéraire, l'entretien. Adèle Bibiane Baha, bonsoir et bienvenue sur le point littéraire. Bonsoir Jean-Jacques. C'est un plaisir de vous accueillir et surtout d'échanger avec vous sur votre recueil de nouvelles, Illusion du bonheur. Merci pour l'invitation, merci pour le privilège que vous me donnez de prendre part à ce plateau pour pouvoir parler de ce recueil de nouvelles. Merci infiniment. Alors pourquoi la nouvelle d'abord? Pourquoi les nouvelles? Bon, les nouvelles, parce que j'ai un esprit assez peut-être fertile ou alors peut-être tordu, mais j'aime beaucoup les nouvelles. Oui. Et je pense qu'avec les nouvelles, j'adresse beaucoup de problèmes aussi, parce qu'en fait les nouvelles c'est plusieurs romans miniaturisés en plusieurs nouvelles. Alors on peut dire que ce recueil de nouvelles est un peu comme Stendhal disait, un miroir que l'on traîne le long des rues, parce qu'il aborde beaucoup de problématiques quand même. Tout à fait. C'est 6 nouvelles pour plusieurs problématiques. D'abord, le titre du texte est également le titre d'une nouvelle, L'illusion du bonheur. C'est d'ailleurs la première nouvelle du livre. Tout à fait. C'est la première nouvelle du livre qui est la nouvelle phare. C'est cette nouvelle-là qui donne essence à tout le recueil de nouvelles. Je voudrais dire que c'est une nouvelle assez particulière. Peut-être qu'on viendra là-dessus. Oui. Vous me permettez d'embrayer. Oui, on peut y aller. Ou alors, on peut y aller. Merci. Oui. Mm-hmm. Le recueil de nouvelles soumis à notre analyse, à notre appréciation, a été édité à la Jeune Plume. Oui. Ce recueil de nouvelles porte essentiellement sur toutes les horreurs qui sont faites dans les familles. Je fais un focus là-dessus, particulièrement sur la première nouvelle, L'illusion du bonheur, qui nous montre un peu le fonctionnement de nos sociétés africaines en général et par ricochet aussi la société camerounaise. On voit là l'héroïne qui est aux prises d'un mariage, qui intervient dans une relation où elle doit avoir affaire à sa famille. Elle a un mari comme il le faut, qui prend soin d'elle. Et puis le charme se rompt quand ce dernier s'en va. Oui. Il y a au moins deux problématiques qui se dégagent. La première, c'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui encore, il y a des hommes qui restent opposés au fait que leur femme ait un travail
puisse également s'épanouir sur le plan professionnel. Je pense que, sans toutefois être médisante ou vouloir dire du mal des hommes, je pense qu'il y a ce souci-là qui veut qu'à l'origine, notre société soit une société patriarcale. Oui. On ait un souci, que l'homme ait un souci de protéger la femme et de protéger sa famille. Parfois, je ne vois pas la mauvaise main ou la main noire cachée derrière cet acte. Parfois, c'est un acte noble pour certains hommes qui estiment que, ou la plupart, que lorsqu'ils ont épousé une femme, ils se doivent de pouvoir à leurs besoins. Oui. Mais alors, l'homme n'est pas éternel et c'est à ce moment donné que le miroir se brise et que le charme se rompt. Il faut dire peut-être que ça peut être des craintes. Les hommes ont peur peut-être d'avoir des femmes qui, sur le plan professionnel, si ces dernières sont épanouies, il y a des risques qu'elles abandonnent le foyer, qu'elles délaissent leur mari, qu'elles soient un peu négligentes avec leurs enfants. Est-ce que c'est justifié, ce type de crainte? Oui, c'est justifié. Ça peut l'être, effectivement. Surtout que nous sommes dans une société en mutation, une société où la femme est appelée à se définir et à se redéfinir, à se découvrir et à s'autonomiser, tant sur le plan mental, tant sur le plan matériel et tant sur le plan interpersonnel. Mais maintenant, dans cette autonomisation, il y a des limites. Mais en tant qu'homme, il peut aussi avoir ce besoin de contrôler, cet esprit de contrôle qui fasse en sorte que, comme je l'ai dit tantôt, c'est un peu comme on le voit lorsque le bateau coule. Hein? Oui. On dit les femmes et les enfants d'abord. Il faut les sauver. Les hommes un peu après. Oui, il faut les protéger. Je crois que dans l'inconscient collectif des hommes, avec Titage, je crois que cette idée-là subsiste. Et puis la femme, lorsqu'elle est épousée par un homme, c'est sa promise, mais c'est aussi sa propriété. Oui. Il faut le dire comme ça. Il y a ce besoin de protection, oui, et même de surprotection. De contrôle aussi. Oui, de contrôle. Mm-hmm. Alors, à côté, toujours dans cette nouvelle, on a la réelle problématique entre la belle famille et la belle fille. Pour le cas de la nouvelle, la toute première, la femme vit bien avec son mari, ce dernier décède de suite d'un accident de la circulation, mais du moins d'après le livre, hein, c'est un moment avant le dénouement qu'on ne va pas dévoiler. Ouais. Alors, il y a la belle famille qui débarque, qui veut tout prendre. C'est quand même la routine, on le voit très souvent. La relation n'est pas très, très harmonieuse, sinon uniquement lorsque le beau-fils est encore en vie. On fait semblant, on arrive à la maison. Quelquefois, on apporte des provisions, on sourit, on fait un large sourire à la belle-fille, mais ce n'est pas un sourire totalement sincère. Oui, tout à fait. Le mot est haïssable. Mm-hmm. Et puis, il faut savoir que on met des masques. Ouais. On met juste des masques. Et puis, lorsque la situation idoine se présente, elle dévoile d'autres masques. Ouais. Surtout que cette nouvelle parle essentiellement des maltraitances que les femmes subissent lorsque leur époux décède, les rites de veuvage et les fouettés, rasés. Tout à fait. Et vous vous rendez bien compte que c'est parfois les femmes, qui, les congénères, qui sont même à l'origine de ces maltraitances. D'autres parce que femmes. C'est ces femmes-là, les matrones, les belles-sœurs, qui mettent en œuvre vraiment ces pratiques culturelles néfastes pour pouvoir avilir et régler des anciens comptes. Mm-hmm. C'est des masques qu'on met et c'est vraiment dommage. Et ça se passe dans nos familles. Oui. Parfois, ces rites de veuvage-là ne sont pas toujours entretenus, même par les illettrés. C'est des personnes comme vous et moi qui sont des citoyens responsables et respectueux qui, lorsqu'ils rentrent chez eux, remettent leur masque de traditionaliste ou leur masque d'oppresseur. C'est de ça qu'il s'agit. Pour la circonstance, surtout peut-être par convenance. C'est-à-dire que, vu la situation, on veut régler des comptes, on se fait passer pour un scrupuleux traditionaliste qu'on n'est peut-être pas au fond. Oui, vous savez aussi que on est quelque peu entré dans le jeu des rôles, je ne sais pas comment je peux appeler ça, mais on singe. Oui. Dans la société, on est quelqu'un de respectable, on est quelqu'un de bien. Quand on rentre chez soi, on est un loup. Mmh. On est un peu comme ce que
Francis Cabrel dit « Les fous sont des messieurs très bien qui ont des regards en satin et des griffes en dessous. Oui. » C'est quelque chose comme ça en matière d'allégorie. Alors, dans votre recueil de nouvelles, on a l'impression que la femme joue un très grand rôle. On en parle dans ce premier texte. On en parle également dans le troisième avec Mars et les larmes d'Anatole. Ici, il s'agit de préciser que dans une situation bien précise, notamment au cours de la fête du 8 mars, un homme perd ses moyens simplement parce que sa femme, pour un jour, décide de prendre la place quand même de la reine. Ouais. Et l'homme est totalement désemparé. Pendant cette période, et on le sait, c'était assez récent, il y a beaucoup de remue-ménage dans les foyers. Pourquoi le 8 mars fait autant frayeur, fait autant de bruit jusqu'à aujourd'hui? Est-ce, je vais dire, peut-être un problème de maturité? De quoi il s'agit exactement? C'est toute une grande problématique. Je pense que on a un problème de perception. Il y a un problème de perception parce que l'on a tendance, et malheureusement, à assimiler cette fête à une fête des féministes. C'est pas cela, pourtant. C'est plutôt une fête où des femmes, des suffragettes, par le biais du droit de vote conquis en Europe, ont mis la femme à un piédestal très élevé. Normalement, cette journée est une occasion pour les femmes de réfléchir sur toutes les avancées déjà réalisées et de se projeter dans l'esprit et la lettre, c'est cela. Ce qu'on observe par la suite autour des dérives, autour des revendications féministes, autour des déformations, c'est déplorable. Vous allez voir que, vous voyez les femmes, nous les femmes, on est en route. On danse beaucoup. On fait des beuveries, on fait des horreurs, on se laisse aller. Mais parfois, personne ne connaît le thème, personne ne connaît l'origine de la fête, personne ne sait pourquoi il fête. Ça tourne autour d'un pain, ça tourne autour d'une chaussure, ça tourne autour d'une situation, du temps d'un instant. Et puis, c'est un mois que les hommes n'aiment pas, Mars. Oui, pas du tout. Parce que ils sont très nombreux à frémir, à grelotter lorsque cela arrive. Et je voudrais aussi dire que ça arrive, ces dérives arrivent parce que sur le plan intellectuel, sur le plan mental, la femme ne sait pas autonomiser. Elle ne sait pas autonomiser. Elle a pris la fête, mais n'a pas compris l'objectif et elle ne s'est pas appropriée de tous les instruments juridiques et de toutes les batailles qui sont menées autour d'elle pour qu'elle puisse connaître ses droits, pour qu'elle puisse également en jouir et avoir des limites de ses droits. Oui. Il faut dire qu'au-delà de cette fête, parce qu'Anatole, lui, a habituellement attendu sa femme et heureusement, elle n'est pas rentrée le lendemain. Non. Oui, heureusement. Parce que ça... Et maintenant, toujours dans le recueil de nouvelles, il y a toujours cette... question d'équilibre. Là, à la question d'équilibre, notamment là où on est au sixième, à la sixième nouvelle, ici on présente deux couples. Deux couples totalement opposés. Ce sont les couples discordants, c'est comme ça qu'on les appelle. Oui, les couples discordants. D'un côté, il y en a, il y a un couple qui semble être bien, madame ne sort pas, elle est à la maison, mais n'est pas toujours heureuse. C'est pour dire que peut-être la meilleure opportunité ou la meilleure relation, c'est laquelle entre les deux? Est-ce que c'est celle qui présente notre Clara ou l'autre? Quelle est la relation la plus adéquate, la plus intéressante pour une dame? Je ne voudrais pas... Excuse-moi Jean-Jacques, hein, mais je vais détourner ta question. Oui. Je ne voudrais pas voir la chose comme ça, sous cet angle... Parce que là, je me sens comme dans une camisole de force qui ne me permet pas vraiment de m'exprimer. Je voudrais plutôt qu'on se pose la question de savoir comment est-ce que la femme ou l'homme vit la relation amoureuse. Parce que, voyez-vous, tout au long de ces recueils, on a toute cette typologie. On a l'amour dans le standard de stabilité en milieu urbain, avec l'illusion du bonheur Malaika. On a l'amour au village,
dans le doigt du village, par exemple, où il y a une femme, il y a un homme qui bravement monts et marées pour aller voir une femme. Il part de la ville en voilà. blanc. Oui. C'est quand même un peu cruel, mais bon, allons-y. Je voudrais parler de la notion d'amour. Vous voyez, au village, la romance prend un autre sens, un autre symbolisme, parce que ça tient compte de certaines choses. Mmh. Si tu m'as fourni du bois, si tu m'as ramené du gibier, si tu es capable de me protéger, ça, c'est l'amour. Si tu es capable de labourer un champ, si tu es capable de défricher un cacaoyer pour moi, alors tu es mon homme. Ouais. On s'aime. On a cette typologie-là. Mais maintenant, en termes d'idéal, moi, dans le recueil de nouvelles, je présente toutes ces formes d'amour, d'amour naissant, d'amour confortable. Chacun, lorsqu'il va lire, se sent à l'aise dans un prisme précis. Mmh. Vous avez par exemple vu à Question d'équilibre, qui est la dernière nouvelle. C'est une nouvelle qui met au prisme un professeur d'université et un paysan. Vous voyez un paysan, peu là-dessus. Lui, il est intéressé par sa cacao culture. Ses tomates. Vraiment, on n'a pas besoin de trop d'école pour être heureux. Il faut simplement chercher l'argent, comme on dit vulgairement maintenant. Tout à fait. Il faut chercher l'argent. Et la femme, elle est très cérébrale. Et elle est psychologue, mais elle arrive à comprendre cela. Et il y a des valeurs qu'elle recherche chez cet homme. Et puis, ça la capte, ça la séduit. Et cela fait en sorte qu'elle est dans son foyer. Mmh. Elle a un mari capricieux qui ne mange pas de nourriture de la bonne, qui préfère que ça soit elle. C'est pour dire que la notion d'amour, la notion de relation idéale n'existe pas, parce que c'est des questions subjectives qui varient d'un sujet à un autre. Oui. Il y a aussi qu'on parle de la famille. Mmh. On parle de la famille au moment de la fête de Noël. Oui. On parle également de la famille dans le mouton noir. Mmh. Et s'il s'agit d'une famille où il y a plusieurs enfants, un qui n'est pas très intelligent à l'école, du moins qui a des difficultés à progresser, qui doit reprendre toutes les classes. Ouais. L'anathème est jeté constamment sur lui. On considère que vraiment c'est lui qui... Mais finalement, on se rend compte que c'est pas évident d'élever les enfants quand même en famille. Oui, c'est difficile. C'est vrai que le fil d'Ariane de cette nouvelle-là est bâti autour de la famille et des questions de cohésion sociale. Oui. Parce que de toutes les façons, on se balade dans la famille avec les différentes variables. Et puis j'attaque les mots et toutes les vices qu'on vit dans les familles. Et ces vices auxquels les familles se sont habituées, ils ont fermé les yeux, se sont anesthésiés dessus sous le prétexte que c'est normal. Effectivement, élever les enfants, c'est pas facile, parce que c'est des défis. Oui. Je n'en disconviens pas, mais je voudrais également dire que lorsqu'on élève un enfant, à force de lui marteler qu'il est un âne, qu'il n'est qu'un vaurien, il finit par par devenir tel que vous êtes en train de lui tracer le chemin, parce que les mots sont des pistolets chargés. Oui. Les mots sont capables de détruire quelqu'un de l'intérieur. Et la famille est le lieu, le laboratoire où les acteurs de la société se construisent. Et lorsque cette famille nucléaire, cette famille ne nous fournit pas de bons éléments pour que la société puisse être construite, on va se retrouver avec des sujets mâles, des pervers narcissiques, des mal-aimés, des frustrés, des jaloux, des meurtriers. C'est tout un cycle vicieux, parce que l'enfant est le père de l'homme. C'est comme ça. Alors, il y a ces nouvelles-là, 6 au total, et on n'est pas du tout entré en profondeur. Je vous rassure qu'il y a parfois de quoi rire. Surtout, par exemple, dans le doigt du village. Il y a de quoi rire, parce que vous imaginez bien quelqu'un qui décide de prendre... C'est un exemple, qui décide de prendre la voiture à Yaoundé pour aller à... Quelle est la distance la plus difficile? Dans des endroits très compliqués où il n'y a pas de route, il y a beaucoup de boue. Il est en blanc, imaginez la suite. Vous allez vivre, par exemple, un parcours de combattant ou du combattant, de ce dernier. À côté de ça, il y a quand même les étoiles de Noël. C'est un moment privilégié. Ouais. Ici, on parle moins de tristesse ou de confusion. On est plus quand même dans le fait de magnifier ce moment qui reste quand même unique, un moment privilégié pour la famille.
Oui, Noël de chez nous, surtout qu'en Afrique, on fête Noël d'une certaine façon. Oui. Noël, ça se fête... Encore là-dedans, on a une femme qui met son mari en difficulté. Il faut donner l'argent pour les habits et tout. Bon, les réalités sont vécues à l'intérieur quand même. Mais ça, c'est le prisme que tu as vu, Jean-Jacques, parce que tu n'as pas vu le côté résilient de la dame. Oui, c'est elle a aussi un mari qui perd un travail et c'est une bayam selam. Oui. Et elle s'arme de beaucoup de courage. Elle va au marché, elle vend, et puis elle essaye d'offrir ce qu'elle peut comme cadeau aux enfants. Il faut peut-être aussi dire qu'elle surtaxe quelquefois. Hein. Oui, 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 c'est Noël de chez nous. C'est une manière un peu de voir les petites entourloupes de la femme et le côté proactif de la femme parce que parfois elle préfinance les activités de Noël, les jouets, et puis l'homme les lui remet quand il doit rembourser l'argent. Merci de nous donner un secret parce que quelquefois les hommes se disent que lorsque la femme pleure, qu'il n'y a pas d'argent. Bon, ben, c'est pas un principe. Hein. Ça veut dire que quelquefois, elle a déjà acheté les habits chez Aladji. Les habits sont gardés là-bas et qu'elle attend votre argent pour rembourser. Bon, la femme est un être proactif quand même. Et ça, c'est quand même un exemple de dynamisme. Quelquefois, un homme qui se sent épaulé, c'est toujours important. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir en fond lorsqu'on aura parcouru l'ensemble des nouvelles? C'est 6 au total. J'ai dit humour, drame, tragédie, il y a tout. Vraiment tout à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on aura retenu lorsqu'on aura refermé le livre? Je voudrais qu'on retienne de ce livre que les familles sont au cœur des changements et de la production des êtres fantastiques. Et que dans ces familles-là, que ces familles cessent de garder les fantômes dans leur placard. Que ces familles-là cessent d'être des bourreaux des femmes et des enfants, des veuves. Que ces familles-là cessent d'oppresser les femmes. Que ces familles-là cessent de légitimer l'injustice et que ces familles-là deviennent artisanes des valeurs pour une société meilleure. Mmh. Il y a aussi les questions d'enclavement. On en rit, c'est-à-dire le chantage des Guembas, des OPEP. On le subit tout le temps. C'est-à-dire, vous allez dans un coin et puis on vous dit qu'il n'y a que 2 voitures là-bas et vous voulez payer. On dit, mais achète ta voiture, il n'y a pas de taxi course ici ou de dépôt. On s'entraide tous en milieu rural. Pouvoir aussi montrer ce côté-là et faire soukap comme ça une forme de plaidoyer. Les routes, c'est difficile. Le voyage, c'est pas facile. Et puis maintenant, les questions de vivre ensemble parce que les questions comme l'hospitalité, la culture, le rapport religion, tradition, c'est évoqué dans Noël de chez nous. Mmh. Vous voyez quelqu'un qui va à l'église juste pour se conformer, pour ne pas avoir l'étiquette de païen, mais qui après, quand il rentre, il dit « Non, moi je retourne vers mes ancêtres, ces gens-là, ils surtassent. » C'est tous ces problèmes également d'une société. Voilà un brillant résumé de votre livre, Adèle Baha. L'illusion du bonheur, un recueil de nouvelles que d'ailleurs les auditeurs, potentiels lecteurs peuvent retrouver dans toutes les librairies et bibliothèques de la cité capitale. L'illusion du bonheur, Adèle Baha, merci d'être passé et surtout de nous avoir parlé de ce livre que j'espère aura une longue vie ou alors entrera dans la conscience et même, pourquoi pas, l'inconscient des uns et des autres qui auront à lire et auront à apprendre beaucoup de votre écriture. Merci beaucoup Jean-Jacques. Avant que de partir, je voudrais quand même faire un coucou. Allez-y. À mes amis, à Nadine Kenge. Je voudrais faire un coucou à José Mili, critique littéraire. Oui. Je voudrais également saluer Betty Mawem. Je voudrais saluer Ray de Prince, de l'édition, la maison d'édition La Jeune Plume. Je voudrais saluer Serti Aïssi, tous mes collègues, tous mes amis, Pascal Onana. Je voudrais saluer également tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé à ce que cette belle œuvre naisse, qu'ils trouvent ici l'expression de ma profonde gratitude. Merci. Bonne suite à vous. Merci. Le point littéraire, les classiques littéraires. Les classiques littéraires.